Salut à tous, bienvenue sur apprendrelabatterie.com. Alors, aujourd'hui, un cours que j'ai nommé Rudiment to Groove and Feel. Ok, ça sonne quand même, ça fait vachement américain pour un mec qui enregistre ses vidéos à Saint-Ouen, tôt le matin. Alors, de quoi il s'agit ? Aujourd'hui, il s'agit de prendre un rudiment de caisse claire et avec celui-ci, de créer un groove. Ok. C'est un cours que j'ai vu qui était effectué en fait, qui était donné par Nick Schlesinger, qui est un batteur anglais. Je pense qu'il est anglais. Hein. Voilà, même si je l'ai vu sur un site américain. Et je fais ni plus ni moins que la même procédure que lui en changeant le rudiment, en fait. Ok. Donc vous allez voir, on va arriver à créer un groove et un fil. En fait, en 8 étapes, d'accord. C'est j'ai trouvé la façon de faire originale et surtout illimitée au niveau des possibilités. C'est-à-dire que je pense que si vous prenez le même doigté et que vous le trafiquez comme vous voulez, comme vous le désirez, vous pouvez changer ce que moi j'ai trouvé, d'accord. Après, le mieux c'est de prendre un autre doigté et de faire vraiment de trouver votre propre groove. Donc la première étape, c'est de choisir un doigté. Donc le premier doigté, le doigté que j'ai choisi, c'est le doigté que vous voyez sur l'exercice numéro 1. Donc la partition est à télécharger dans la barre de description en dessous. Donc le doigté de départ, c'est un paradiddle-diddle qu'on appelle, ok, et donc qui fait droite-gauche, droite-droite, gauche-gauche, droite-gauche, droite-droite, gauche-gauche, ok. Vous avez un moulin, droite, gauche, droite, droite, suivi de gauche. Et logiquement, ce doigté est un doigté que l'on emploie, donc qui fait 6 coups et qui se joue souvent sur un débit de sextolé partant. Et je vous le montre de suite. Ok, l'étape numéro 2, c'est qu'on va prendre ce doigté, mais on va changer le débit. On va l'amener sur un débit de double croche. Et donc, vous allez vous apercevoir que sur une mesure, par exemple, ce doigté rentre entièrement deux fois, mais qu'à partir du quatrième temps, on ne pourra faire que les quatre premiers coups du doigté. D'accord, 16 double croches dans une mesure à 4 temps. D'accord, 16 double croches, le doigté faisant 6 coups, on va le rentrer deux fois, ça fait 12, plus 4, les 4 premiers coups du dernier, on est à 16. Et automatiquement, à partir du quatrième temps, on revient au début. D'accord, donc ce doigté, on le rentre deux fois, plus les 4 premiers coups. Je vous montre de suite ce que ça donne. Ok, une fois qu'on a fait ça, donc là, on est vraiment axé sur le temps, d'accord. C'est-à-dire que le doigté commence sur le temps. Vu que c'est un doigté de 6 coups, il se répète et se décale sur la croche. On est assez axé, c'est quand même très axé sur le temps. Pour faire quelque chose qui soit un peu plus léger, un peu plus en l'air, on va décaler ce doigté d'une double croche, d'accord. C'est ce que faisait Nick Schlesinger, il le décalait d'une double croche. Moi, je l'ai décalé d'une double croche après, mais vous pouvez le décaler, par exemple, d'une double croche avant. Si vous le décalez de deux doubles croches, ce qui fait une croche, vous retombez sur quelque chose qui sera sur le temps, mais pourquoi pas, ou de trois doubles croches, ça, vous êtes complètement open. Ok, donc quand on décale ce doigté d'une double croche, voilà comment il s'interprète.
Ok, une fois que vous avez passé cette étape, vous allez distribuer votre main droite et votre main gauche différemment. La main droite va aller sur le Charleston qui sera fermé, ok, et la main gauche va aller sur la caisse claire. D'accord. Pour savoir ce qu'on accentue avec la main gauche, faire les backbeats ou pas, c'est très simple. Tout ce qui est coup simple avec la main gauche, je l'accentue sur la caisse claire, ok. Et tout ce qui est coup doublé, les doubles coups, ça c'est des grosses notes. Donc on va accentuer le et du 1, le troisième temps et le et du 4, ok. Voilà ce que ça donne. Une fois que vous avez fait ça, vous allez choisir de rajouter des grosses caisses pour commencer à créer le groove. Alors moi, j'ai rajouté des grosses caisses avant les accents de caisse claire. C'est pas du tout forcément comme ça qu'il faut faire. Donc j'ai mis deux grosses caisses sur les deux premières doubles, une grosse caisse sur la quatrième double du deuxième temps, une grosse caisse sur la deuxième double du quatrième temps. Vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire comme ça. Vous pouvez très bien... mettre qu'une grosse caisse sur les deux premières doubles, pas mettre, vous faites ce que vous voulez. Là, c'est vraiment un choix, c'est vraiment comme vous entendez le groove, parce que vous allez tester, forcément, là, je vous impose un truc et c'est écrit, mais vous, quand vous allez le construire, comme vous allez faire comme moi, vous allez tester les différentes combinaisons possibles. Donc, vous faites comme vous le sentez. Voilà ce que ça donne en faisant ce que j'ai fait, c'est-à-dire en rajoutant les deux premières doubles du premier temps et les grosses caisses sous les charlets qui sont avant les accents de caisse claire, avant le troisième temps donc et avant le et du 4. Sachant qu'au bout d'un moment, je rajouterai une ouverture de charlet sur la deuxième double du premier temps, sur la deuxième grosse caisse. Voilà ce que ça donne. À ce stade-là, on a un groove sur une mesure. Vous pouvez remarquer très souvent dans la musique, que ce soit les grooves de guitare, ça tourne sur deux mesures. Donc ce qu'on fait, on va rajouter une deuxième mesure. Pour pas que ça soit la même chose, qui soit copié-collé et qui se décale tout le temps, on va rajouter une cellule rythmique qui n'a rien à voir. D'accord ? Moi, je l'ai rajouté sur le premier temps, comme l'avait fait Schlesinger. On aurait pu la rajouter sur le troisième, le quatrième temps. Enfin, il n'y a pas forcément de règle. Moi, je l'ai rajouté sur le premier temps et cette cellule, c'est ni plus ni moins qu'une cellule qui dure du premier temps au et du premier temps et qui fait charler deux grosses caisses, sachant que la deuxième grosse caisse se termine sur le et du premier temps et avec un charlet au-dessus. Et parfois, je rajouterai même au bout d'un moment l'ouverture sur le charlet qui est sur le et du 1, d'accord. Je rajoute cette cellule-là sur le premier temps et je rattaque ma figure rythmique, d'accord, à partir du deuxième temps, c'est-à-dire mes deux coups de charlet commencent maintenant sur le deuxième temps et mon décalage se crée à partir du deuxième temps. En revanche, quand j'arriverai, pour le moment, on fait que ça. Je vais vous jouer que ça, c'est-à-dire la cellule du premier temps que j'ai rajoutée qui se termine sur le et du 1 et le décalage de la figure rythmique qui démarre sur le deuxième temps. Ok, on met juste ça en boucle. Voilà ce que ça donne. Ok, une fois que vous avez fait ça, vous avez joué vos deux mesures de groove, c'est-à-dire la partie 5 et la partie 6. Maintenant, il va s'agir d'enchaîner la partie 6 et la partie 5, ce qui va nous créer un groove sur deux mesures, sachant que quand je vais rattaquer, mettre derrière la partie 5 à la partie 6,
je vais pas, en fait, je recommence mon groove avec mes deux coups de charlet. Donc c'est pas quelque chose qui va s'enchaîner, on a cassé la régularité et ça va créer quelque chose qui paraît complètement naturel et pas du tout comme un même doigté qui est répété. Donc et on gardera les grosses caisses comme on les avait travaillées. Donc on enchaîne ni plus ni moins que ces deux mesures l'une derrière l'autre. La 6 et la 5. Ok, donc une fois que vous avez ça, ben vous avez créé votre groove sur deux mesures. Ce qui n'est pas... Alors, ce groove-là, on est bien entendu dans un contexte funk, ça ressemble énormément à du David Garibaldi. J'attribue très souvent la création de ces grooves sur des débits de double croche à du David Garibaldi. Il n'y a pas que lui qui a fait ça. Je me rappelle d'un batteur qui était à Paris, qui jouait avec un groupe qui s'appelle Captain Mercier, qui s'appelle Umberto Panini, qui faisait ça monstrueusement bien. Donc il n'y a pas que lui qui a fait ça, mais la paternité un peu de ce style de groupe, j'ai un peu tendance à la lui donner à lui, parce que basse batterie c'était vraiment en connexion. Vous avez Mike Clark avec Hancock aussi qui a fait ça, avec les Headhunters, c'est tout. Mais pour moi c'était un peu plus la jam, mais voilà. Si vous voulez écouter des mecs qui jouent comme ça, vous avez Mike Clark, les Headhunters, Herbie Hancock, Tower of Power. Vous prenez la discographie Tower of Power avec Garibaldi, c'est-à-dire même Monster on the Leech, hein, où c'est pas Garibaldi, vous avez quand même des grooves qui sont comme ça. Voilà, si vous aimez ce style de jeu, c'est là-dedans qu'il faut aller chercher. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va essayer de créer donc maintenant un fil. On va le garder sur un début de double croche. J'ai essayé de changer derrière, de rajouter des sextolés et tout ça. C'est compliqué, ça sonnait pas, quoi. Voilà, on va le garder sur un début de double croche. Et donc, ce qu'on va tout simplement faire, c'est garder la deuxième mesure, d'accord, et distribuer notre main droite entre le tom alto et le tom basse, sachant que les doubles coups des mains gauches, c'est-à-dire que dans le doigté, on a droite, droite, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, et on revient sur le temps. Les deux doublés à gauche, on va les remplacer par deux grosses caisses. Ok, donc ça fera droite, droite, gauche, droite, droite, pied, pied, droite, gauche, droite, droite, pied, pied, droite, gauche, droite, pied. Ok, et on va l'orchestrer ça sur les tomes, et on va se créer un fil d'une mesure qui sera sur les tomes.
Voilà pour ce cours. J'espère vraiment qu'il vous a plu parce que j'ai trouvé que c'était ingénieux et très créatif. C'est ma période poète. Voilà, je vais acheter un pull en laine, mettre des tongs et fumer des pétards. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous encourage. Alors bon, pour ceux qui veulent acheter le cours, je le mets en vente dessous. Et puis surtout, si, créez les vôtres. L'important, c'est ça, c'est trouver avec vos doigtés. Alors là, on est parti sur un doigté en groupe qui faisait 6 coups, on l'a mis sur des doubles croches. On pourrait partir sur un doigté, qui fait 4 coups, essayer de le passer sur des sextolés. Enfin, tout est possible, on n'est vraiment pas limité. Et c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire parce que c'est trouver ses plans, les créer, les assimiler, les intégrer dans son jeu. C'est souvent ça que je cherche, les intégrer dans son jeu. Donc voilà. J'espère que ce cours vous a plu. Connaissez-vous cette manière? Dites-le-moi dans le formulaire de commentaires. J'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui nous soutiennent via Tipeee, parce que c'est important pour nous. Abonnez-vous, likez, partagez, parce qu'on lutte un peu contre la force obscure. Voilà, allez, à plus tard sur apprendrelabatterie.com. Ciao.